Sont avec toi en samedi soir, ce sera le tout premier athlète français à te battre pour l'UFC ici en France. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça représente pour toi? Ben, il va falloir aller chercher les victoires pour montrer le chemin aux autres combattants français qui vont combattre après moi. Donc, beaucoup de plaisir, un grand honneur et on est des privilégiés de participer à ce premier événement. Il y a eu beaucoup de pionniers même en France. Donc, c'est privilégié d'être sur la première carte en France. Et surtout, il va falloir aller chercher la victoire pour montrer le chemin aux autres derrière. Donc, on va faire le temps. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément ton parcours, Benoît, on peut s'attendre à quoi de toi personnellement dans l'Octogone ça? Ça va être la guerre. On a un peu de profil hors dedans, donc loupez pas le combat parce que ça a été un combat de loin. Ceux qui sont placés au bord de la cage, ils vont être un petit peu de sueur et de sang. On va donner un peu de tout ça, on va être en temps, on sera présent, s'entraîner. On est prêts, et puis il y aura la guerre samedi soir. Et je vous invite à venir tôt. Et parce que je suis content d'être là. Et merci à tous pour votre présence. Ça a affecté un petit peu ta préparation ou pas du tout? La guerre comme à la guerre, on est prêts. Donc, c'est pas la placette, ça change rien. Je suis prêt dans tous les domaines, je suis prêt à lui faire la guerre partout où on ira. Donc voilà, attendez-moi un moment engagé. L'adversaire, ça va changer il y a 2-3 semaines, donc ça va le faire. On a eu le temps de faire des essais justement. C'est la même chose pour lui, donc voilà, il n'y a pas de raison et on a bossé 2%. Merci beaucoup.